Et salut tout le monde, on est de retour sur Red Dead Redemption. Faire un petit solo là, en direct, tranquillou, en attendant la mise à jour de Fortnite. Alors, pour parler de la mise à jour de Fortnite, un petit peu pendant le chargement du jeu là, j'ai vu le patch note, j'ai vu qu'ils avaient retiré le sniper semi-auto, le double pistolet akimbo là. Bon, c'est pas si grave, ils ont rajouté des ballons aussi, ça a l'air fun, pourquoi pas. Mais c'est un peu contradictoire pour moi parce que dans un sens, les ballons, du coup, ils nous disent oui, fais attention parce que si tes ballons ils éclatent, si tu vas trop haut, trop longtemps, tu vas tomber quoi. Sauf que y a un truc qui m'a pas du tout plu, c'est qu'ils ont remis, enfin ils ont conservé le redéploiement du planeur. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? De toute manière, tu peux faire ce que tu veux avec tes ballons, tu prendras jamais aucun dégât de chute. Donc c'est bien pourri, voilà. Mais le pire qu'ils aient fait, je crois, c'est la possibilité de... Qu'est-ce que c'est? Placement de sauvegarde automatique contient déjà la sauvegarde automatique. Écraser les données de cet emplacement avec la progression actuelle. Bon. On va dire oui, hein, mais... Je suis pas rassuré, là. Bref, ce que je disais, le pire truc qu'ils aient fait, c'est que... À partir de maintenant, tous les dégâts d'explosifs vont passer à travers les constructions, en fait. À travers les constructions et à travers l'environnement. Donc voilà, super, on va prendre 25% de dégâts à travers tout, en fait. Donc déjà que les explosifs étaient grave cheatés, c'est encore pire, hein, globalement, ça me donne plus envie de jouer au jeu. Bref, on n'est pas là pour parler de Fortnite, on est là pour parler de Red Dead Redemption, et la dernière fois en live, j'avais fait tout le chapitre 1. Et aujourd'hui, et on va profiter d'ailleurs, pas qu'aujourd'hui, mais on va profiter du long week-end, parce que demain je fais le pont, pour faire un peu tous les matins le mode histoire de Red Dead. Donc c'est parti, on va retourner sur des quêtes. Alors au hasard, hein, on va partir sur la quête là, c'est le plus proche j'imagine. J'aimerais bien pouvoir courir, monsieur. Il veut pas, tant pis. L'oncle. Est-ce qu'on le réveille? Oui. Ah oui. Ah oui, il va pas me morfler. I was thinking. Yeah, does it pay well? Eventually. So, while the rest of us are busy stealing, killing, lying, fighting to try to survive, you get to think all day. Well, it's a strange world we live in, Arthur Morgan. Hey, you wanna head into town? See if we can find anything out. Sure, I got some errands to run. Great. Go check the horses are ready. If you're gonna take the old man into town, you can take us too? Why, what you got planned? Nothing. We'll find something for y'all to do. We always do. We're bored out of our minds. Been cooped up here for 2 weeks now. Karen's about ready to murder Grimshaw. Well, can Miss Grimshaw spare you? Can Miss Grimshaw spare you? What's happened to you, Arthur? Three young, healthy women want you to take them a robin. You're worried about house chores. Let's go. Fair enough. You got me. Come on, then. I can't believe we're going to see civilization. Feels like weeks since we did. Yeah, Valentine. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive en ville? Civilization. Ladies are gonna love it. Okay, then. Let's go. Let's go. All right. Out through the trees here, then take a left. Et c'est parti. Oui, on peut avec cette charrette-là, on peut aller super vite par rapport à la précédente, hein, de la dernière fois, si vous vous souvenez. En tout cas, moi je me souviens bien, je galérais vraiment à la manier. Celle-ci va très 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 vite. Mais c'est quoi cette chanson?
Very serious. Ah oui, on va l'aider quand même. On n'est pas des bâtards. Couldn't help me get my other horse back from over there, could you? Sure, no problem. Thanks. It's the white one over there. Je sais pas s'il faut y aller à pied, moi j'imagine. De manière, j'ai pas de cheval. Non mais c'est pas le couteau que je voudrais, merci. Calmez-vous, approchez, j'ai pas eu le temps de lire, super, ça peut être. Il est beau ce cheval, hein. Il est très gros surtout. Allez. Let's go. Il reste dans la tête leur chanson là. On va vous la chanter parce que bon. Je sais pas très bien chanter, mais ça reste dans la tête un peu. Here. Here you go. You're a gentleman, sir. A gentleman. No, not really. I was just trying to impress the women. Well, anyway, thank you. Allez, on est reparti. Yeah, 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 ça va, vous, il est pas très aidant, lui, hein. You're turning into a regular old fairy godmother there, Arthur. What's that supposed to mean? It means you got a heart. A small one, perhaps, hidden deep inside, but a real one. And you have it, your pulse full of lizard. Lizards have hearts. Well, Arthur, I'm proud of you. To be honest, if you lot hadn't been here, I probably would have robbed him. Well, you did. Woo! Smell those sheep. Or is that Uncle? Oh, very funny. This looks like a decent little town. Other people. Finally. Look at all that snow on the mountains. Sure don't want to be back up there. You think we should have asked Molly to come with us? Oh, no. Miss O'Shea is far too high and mighty now for the likes of us. Or to do any real work. She's a society lady now. Okay. Forbid you put your head on the line. Yeah, that's a young man's game. Ooh, yes. We can get up to some mischief here, all right. Just remember, keep a low profile. Will you remember that, though, Arthur? Probably not. Let's park up down the end there, near the stables. Ungoddamn believable. What's your problem? That don't beat all. Ah oui, on va se garer comme ça. À la rage totale. Man at his finest. Uncle, what are we doing? Well, we're gonna do what any self-respecting maniac does. Put the women to work. With pleasure. Start at the saloon. Okay, just stay out of trouble and don't get yourselves noticed. Right, I need to get something from the stores. Okay, well, we'll see you at the general store when you're done. Come on, ladies. Imagine we're in Paris. Come on. So that's how you see yourself, is it? A maniac? Well, in my youth, I used to be known as the one-shot kid. Okay. Regardez la boue comme c'est classe. Marche dans la boue, ça fait des empreintes de pas et tout. You are a sad man, Arthur Morgan. But I know you love me. Desperately. You're my favorite parasite. No. Ringworm's my favorite parasite. You're my second favorite parasite. Very funny. I lied. Ringworm, then rats with the plague, then you.
Shut up. This is the place now. Come on. Afternoon. So. Couchez-vous d'un objet dans un rayon et maintenez carré pour l'acheter. Something to pass the time while we're waiting on the women. Always thinking ahead, ain't you? You're looking a bit tired there, Arthur. Why don't you aussi faire des achats en parlant au commerçant et en faisant votre choix dans le catalogue. List in the catalog here on the counter. Whiskey's on the top shelf nearest the door. Acheter du café. Écoute, achetons du café. You're not getting anything, Arthur? I don't know. C'est ça le café. Maybe. Café. Allez acheter. Okay, if you're done, I'll meet you outside. I won't be too long. So, you're actually buying for once? You feeling all right? See this? Young folk got no respect for their elders no more. Here's to your good health, my sir. It's a funny world, you know. This time in my career, I pictured myself being married to an heiress. On va voir les effets de l'alcool, là. I think I got something good. What? I snuck into this fancy house. Acted like a servant girl. Usually works. Someone was saying her sister was taking a trip from New York or someplace. Train full of rich tourists heading to Saint Denis and then cruising off to Brazil. Okay. A train laden with baggage and passing through a bit of deserted country at night as to get to the docks in time for the tides in some place called Scarlet Meadows. Yeah, I know it. Yeah, yeah, it's right out near New Hanover. Right, it's real quiet out there. Sounds good. Where's Tilly and Karen? I think at the hotel. They were picking up some drunken fellas that they was gonna rob. Why? It seemed easy. They have been gone for quite a while. I guess I'll go see if there's any trouble. Oh, there's Tilly over there. That does not look ideal. Excuse me. Bon ben voilà, on va se fight un petit coup. Calmer la querelle. Get your hands off her, friend. Who are you? A friend of mine. Get off her. Or what exactly? Or what exactly? You want to find out? You're making a big mistake, Tilly Jackson. Just get lost. I ain't doing this with you. Go right wait now. With Uncle and Mary Beth. They're across the street. Okay. Thanks, Arthur. Le rattraper lui, il va pas faire le malin, je te le dis. You're lucky we're in a busy town, you son of a bitch. Ouais. Pas trop ton malin toi. Same old crap. Pourquoi faut aller là-dedans là? Some lightning the other night spooked a herd of cattle. Can I help you, sir? Come on, try and help people. I do all. I'm looking for a girl who came in here earlier with a drunk fella, mid-20s, blonde. You'd remember her. Yeah, they're in 2B upstairs. Are you a friend of his? A friend of hers. Mm-hmm. Wouldn't believe it unless I'd seen it. Like I said, as far as I know, they're in 2B. 2B. No trouble now, please. Ça dépend. S'il fait trop le fifou. Hey! How are you? A friend of hers. Yeah.
here, buddy. I paid. They paid a hitter, you goddamn animal. Come here! I paid for nothing. Nobody will recognize you when I'm done. Alors, j'ai pas fait exprès, j'ai pas compris ce qui s'était passé. Attends, mon flingue. En fait, je voulais juste lui mettre un coup de poing, mais. Stupid bastard was boasting about the bank. Bank? Sure, I know small town banks are usually a waste of time, but this is a livestock town. There's lots of cash sometimes. Okay. Keep investigating. I will. Qu'est-ce que je vais faire de ce mec? Moi, je voulais lui mettre un coup de poing. Hein. Je sais pas comment on fait. Hein. J'ai craqué mon slip là. Hein. Bon. C'est bizarre. C'était peut-être prévu. J'en sais rien. Ah bah il est tout propre d'un coup là. C'est bizarre. Hein. You okay? Sure. He only punched me. Arthur did a lot worse to him. All right then. Hey, who's that guy over there looking at us? Weren't you in Blackwater a few weeks back? Me? No sir. Ain't from there. Oh, you were. Well, I definitely saw you with a bunch of fellas. Me? No. Impossible. Listen, buddy, come here for a minute. I saw you. Come here. Come. Get. I don't like this. Me neither. Go get the girls home. I'm gonna go have a word with our friend. Be careful, Arthur. Just a word. Yeah. Hey, let's go. Just following it. You stay away from me. Get back here right now. Est-ce que je vais arriver à le rattraper, lui, parce que. Il a l'air de partir très très vite, lui. Il est sérieux? Telling lies about me? No. I got it wrong, partner. I got it very wrong. Now please help me out. I ain't never been in Blackwater. Then why are you chasing me? I've got an unfortunate face. Yes, me too. Now please pull me up. Please. Just pull me up. Come on. Ouais, c'est bon, je vais t'aider, mais c'est bien la dernière fois. Come on. You okay, partner? No, I am not. I'm a mess. Well, you ain't dead. There is that. Jimmy Brooks. I think it's best for both of us if we pretend this never happened. Well, I agree. You saved my life. You're a good man, and I, here. You want a pen? It's one of them steel ones. Hmm. Sympa. Ça fait plaisir. Petit cadeau, là, comme ça, là. But I'm not a good man, Jimmy Brooks. Not usually. You see, I was in Blackwater. I kill people. And maybe I should have killed you. Should I have killed you, Jimmy Brooks? Me? I never saw you. Not now, not never. I think we have an understanding. Of course we do.
C'est bien fait, hein? Jimmy Brooks. I will remember that. I've got a good memory. I haven't. I haven't. Not one lick. Not one cent in this year old mind. Bon, bah, alors. Ah, d'accord, le cheval, il est en train de se faire plaisir. You have a nice day now, sir. Pardon, j'ai pas fait exprès de faire ça. Oh, des fois ça dégaine tout seul là, c'est chelou quand même. Hein. Vous voulez rendre le cheval, bien sûr. Bien sûr que je vais aller le rendre, ça se fait pas autrement. J'en ai un de cheval, j'ai pas besoin de celui-là. Un cirque là, c'est quoi ce truc de fou là? Welcome after a ticket. S'informer sur le programme. The bear. Ouais, bon ça va, merci. Don't worry, it's worth the ticket price every time. Ça a pas l'air, mon dieu. Couldn't ask for a more beautiful day. Avec des missions facultatives effectuées auprès des inconnus, parler à un inconnu dans la zone indiquée pour commencer la série. Interagir avec le commerçant, notre L2, sélectionner l'option adéquate. Hello, sir. Ouais, je comprends pas bien ce qu'il faut faire là. Hello. Hi, folks. Ils répondent même pas, les mecs. Interagir avec le commerçant pour chez vous du catalogue et sélectionner l'option adéquate. Bon, peut-être qu'il faut faire ça. Hein. Everything in that is available for purchase. Alors. Sélectionner l'option adéquate de quoi ? Ouais, c'est bon, on s'en fout en vrai. All right, have a think about it. Thank you. Okay. Thank you. Really. Mais là-dedans, il y a bien une mission là, quelque part là. Toughest Tegan Mountain Man. Oh, you be quiet, Anastasia. Anyone can tell this one is a pussy cat. Exactly. Yes, he's a pussy cat. Ain't that so, Arthur? Whatever you say. How much you cost, anyway? Well, ain't that a nice way to talk to a lady? Oh, I didn't know I was talking to a lady. Excuse me. Well, I must say, you got a fine way with the women, amigo. Yeah. Regular dandy and a charmer. Where's Bill? Oh, man. I dread to think about it. Hey, hey, hey! Hey,
Et voilà, c'est ça qu'on démarre une bagarre de saloon. J'ai pu frapper. Allez, dégage. Mon chapeau. Ouais, bah oui, mais il reste personne. Ça c'est la scène du trailer, j'imagine. Ouais. Gros lui. Défoncer lui. Ça va pas être facile, je pense. Dès que je m'approche trop, il me défonce lui. Oh la vache. Mais il est trop fort ce mec. Je vais sortir mon gun, je vais le défoncer lui. Me mettre dans le mal. Pas de violence, c'est les vacances. Il va falloir passer à la douche un peu là. Making new friends again, I see, Arthur. Look who we found sniffing about. Josiah Trelawney. The very same. Well, I thought you'd gone to New York. And miss all this glamour. You must be joking. How are you? Well, quite well indeed. I went to Blackwater looking for you gentlemen. You're not very popular there, it seems. Ah, Javier and Charles. I've missed you. And Bill looking as well as can be. Gentlemen, Bill. Always a pleasure. You're right. We ain't too popular in Blackwater. We left a lot of money there. And young Sean, it seems. Sean, you found him. Yes, I have. He's being held by some bounty hunters, trying to see how much money the government will pay them. I know he's in Blackwater.
but there's talk of them moving. Well, if we step foot in Blackwater, well, then we're dead men for sure. There'll be Pinkertons all over the place, but if he's alive, we gotta try. Yeah, of course. It's you they want, Dutch. Always is. Charles, go find out what you can, carefully. Josiah, take Javier. Arthur, go get yourself cleaned up. Join them when you're ready. Well, what about me? Well, exactly. What about you? What does that mean? Oh, Bill, come on. Se nettoyer là-dedans. Il va y avoir un radar étendu, là je sais plus comment on fait. C'est pas comme ça. Ok, il est déjà en étendu, ouais. Interrogation. Vous avez rencontré un inconnu? Il est où? Ils sont signés par... Point d'interrogation. Allez, let's go. Une quête secondaire, là. It's not bunk, Mr. Calloway, sir. It's history. Ancient history. Done and dusted. The dead got off lucky, the living gotta keep suffering. Same as always. But did you shoot the Newton? I don't give a pig's penis about the Newton twins. One of them was a girl, anyhow. But you had been friends back in 73. You rode the Alabaster Trail together. Funny thing about pigs' penises. They're curly, like their tails. Put that in your fucking... Who's your friend there? This isn't going very well. This is Jim Boy Calloway. The Jim Boy Calloway. Who? The gunslinger. Fastest left-handed draw that ever drew breath. He once killed 14 men in a fight at Lucy Hollow. What are you waiting for? How do you mean? Well... I reckon right now, kill him yourself. I don't want to kill him. I want to deify him. He's a god. I'm trying to write his biography. Well, how's that going? I think I prefer the duel. Either I'd kill him and be able to be Baltimore's finest ever gunslinger, or he'd kill me, and I could be set free from ever having to speak to him again. Well, you're starting to understand something very important. What's that? The joys of gunslinging. It's win-win, freedom or glory. That's brilliant. I'm going to write that down, if I may. Be my guest. What's your name? I don't have a name. But you are a gunslinger. Not really. I mean, folks who need shooting, I'll try and shoot in the back. All that other stuff, it's, well, bunk. But you fought duels. Once upon a time, I may have. And you ain't interested in fame? I don't think so. Strange. But you like fortune. I need money, sure. Okay. And forgive me, mister, if I seem a little desperate. I am a little desperate. This book, I've got to make a thing of it. And, well, there's a whole list of gunfighters. Legends, every last one. Emmett Granger. Flacco Hernandez. Billy Midnight. Black Bell. Never heard of him. Maybe you can go and speak to them. Ask them about Calloway. Any of them get uppity... Shoot him. I can't believe I just said that, but... You want me to go and find some sad, deluded fools like him, ask if he was the greatest, and then if they get uppity, shoot him? Does sound a lot worse than it did in my head. How much you paying? Well, a lot. Half the proceeds of the book, if you help me get it written. I'll see what I can do.
Oh, get photos. Okay. And there are notes on the back of those portraits that should lead you to him. Pas mal. Un genre de chasse au trésor pour trouver des gens. Here are some other flop house. Maybelle Elizabeth Coulter, la Lady des As de la Gâchette, la quoi? La douairière à la dynamite? Mariée 6 fois, veuve tout autant, épouse de parieur, voleur, hors la loi, jamais divorcée, porte le deuil en permanence, unique survivante de la bande de Tobin de Coulter, hors la loi depuis une attaque à Rhodes, contrat privé, grosse récompense si ramenée morte ou vive, vue pour la dernière fois près de Blue Water March, ne pas approcher, trop dangereuse pour un simple biographe. Eh ben, très bien, on va pas y aller tout de suite. Les quêtes annexes, c'est bien gentil, mais... On va d'abord faire les quêtes principales. Hein. Lui il porte des planches. Chez Ikea, lui. Par contre, ils sont gentils, mais j'ai l'impression qu'ils m'ont pas laissé de cheval pour rentrer. Get going. Yeah, don't make us have to hurt you. C'est irlandais, ça. Personne ne me traite de mauviette. Bah, attends. Il est sérieux, lui? Bon, je reviens, je te défonce. You again? What the hell do you want? You're done. Aïe. Ah ouais, mais ils sont pas à la loyale, eux. Les mecs, ils arrivent et ils sortent un flingue. Ils sont à 3 contre 1. Mort, bah oui, évidemment, ouais. Bon, alors qu'est-ce qui se passe quand on est mort dans le jeu? Ok, d'accord. On réapparaît pas loin de l'église. Pas mal, c'est stylé. Ah bah ça, c'est mon cheval, tiens. Mais d'abord, il y a un truc là-bas qui... Qu'est-ce que c'est que cette icône, là? C'est le shérif? Well, look here. Maybe this is our man. You a bounty hunter, mister? Maybe. It depends. But I'm guessing you ain't here to pass the day, turn yourself in, or discuss the finer points of county law. Then I don't need to know much more than that until I got a reason to. All right. You smell that? This here's a livestock town, mister. Tracks delinquents and reprobates like flies. Now, I'm not a fellow to pass a quick judgment, but I've been around long enough to know you don't hire a saint to catch a sinner. You bring me what I need, and I'll pay you well, and I won't ask no questions. So, what is it you need? Why don't you have a look at that poster on the wall over there? Pas mal. He's a low-down huckster. He's been poisoning folks with his miracle cure from here to Ansburg. Killed more than Landon Ricketts without even pulling a trigger. Gets some kind of sick satisfaction out of it. Feller over at the saloon says he thought he saw him by the gorge straight north of here. You think you can bring him in? The money's good. I need him alive, though. I want to make sure the women he witted get compensated before he swings. I'll see what I can do.
Well, good luck to you. Good luck to you. Well, good luck to me. And we need him alive. That's an important point. Alive? I got it. Des substances dangereuses en le faisant passer pour un remède miracle. L'Ankiaval se trouverait dans les alentours de Valentine. Toute information ou demande de récompense doit être adressée au bureau du shérif de Valentine. Ben, je crois qu'on est parti pour y aller là-bas. Comment on fait pour mettre un marqueur sur le point? J'en sais rien. Contre, je crois qu'il faut que je mange un truc là. Restaure entièrement votre santé. Ça m'a pas restauré. Est-ce que ça c'est mieux? Faut croire. Back to work, boy. Bah, y a automatiquement un point, c'est bon ça. Allez, bah, on est parti aller chercher le méchant monsieur qui empoisonne les gens pour faire de la thune. Travailler pour le shérif maintenant, c'est abusé, non? Et puis il va faire nuit en plus. J'imagine qu'on va pouvoir couper là, non? C'est pas dit. On n'a pas besoin de route. Et après j'irai me venger du gang d'Irlandais qui m'a tué tout à l'heure là. Je vais mettre mon bandana, je vais sortir mon gun, je vais les tuer tous les trois, ça leur fera du bien. It's because I want to buy some medicine, and I heard good things. I'll pay in gold if you could help me find him. It's just my mother's real sick. Oh, well, if that's the case, for a sick woman, I'd be happy to help. I'm a healer, you know? A medical man. Finest medicine in the state. Game's over, mister. Put your hands up. I'm taking you in. Taking me in? What for? Apparently that stuff you're pushing is killing folk. There's a price on your head. I don't know. It ain't my business. Come on, partner. That's crap. I'm a healer. I got an order. I speak to spirits. I'm a scientist. Folks get real angry for no good reason. This is a mistake. Keep your hands up, buddy. On parlera au shérif, mon gars. I have to insist that this is a mistake. Don't be a fool. Hold on. I'm slipping. Shit. Wait. Please.
J'ai plus de chapeau en même temps là. Non. Non. D'accord, c'est pas fini. Alors là, je sais pas du tout ce qu'il faut que je fasse. Ok, d'accord, super, ça va bien se passer. Oh la vache, mais c'est super dur. Dis donc, il veut pas passer là, lui, tu m'étonnes. Bon, allez, allez, allez. Moi qui voulais l'attraper au lasso dès le début, quoi. Ça aurait été quand même plus simple, hein. Il est en train de se noyer, le type. Je vais le ligoter là. Je descends sûrement. C'est pas toujours très clair les commandes, hein, franchement. Hein. Bah, allez, ligote-le. On va le voler un peu parce que. Il doit être un peu plein de pieds, lui. Si vous chevauchez en eau profonde avec un passage ligoté, il tombera de votre cheval et risquera de se noyer. On va tâcher de pas faire ça. Les branches d'arbres, moi, mon gars. Bien. Shut up. Que je disais shut up. I'm only in it for the money. Oh, I don't feel well at all. You're a bully, sir. We don't understand you more, and that's the. Oh, my lord. I wasn't expecting you back so soon. Mrs. Calvert was just leaving. Sure. Where you want him? I'm selling the back. Ah, ça, la cellule du fond. C'est quoi la cellule du fond? Ça
C'est pas une cellule. Ah, d'accord. I never did it. Any of it. I thought I told you to shut up, partner. But I told but you. But nothing. Shut up. And, good luck. It's been real fun. You ain't much of a man. You ask folks for forgiveness, you remember this, partner. I've already forgotten. Now, sir, how much was you offering? $50. Here. Thank you. Madam. Please, remember what I told you. Bon, on peut pas lui parler, lui, c'est bizarre. Up and show me that face again. I ain't feeling so clever now. That attitude will get you a sale someday. Sérieux, toi? C'est ce que je veux, non? S'il fait froid, j'ai envie de mettre mon bandana, j'ai le droit de mettre mon bandana, non? Je vais aller buter les trois débiles là-bas, là, parce qu'ils m'ont saoulé tout à l'heure. Est-ce qu'ils sont encore là? Bah, j'imagine que non. Tant pis. Prochaine fois que je vous croise, les gars, je vous défonce. Allez, allez. De rester, fuir ou suivre en centrant la vue sur lui avec L2 quand il est proche de vous, d'accord. Où est-ce que j'ai tout vu dans cette ville? Je pense que oui. Attention mon gars. Alors, c'est-à-dire que là, j'aimerais mettre un marqueur. Comment on fait? Si je veux retourner au campement. Ajouter une balise L3. Balise. Repère X. Je sais pas à quoi sert la balise du coup, mais... Ça ressemble au 1. Je sais qu'on n'est pas au même endroit, mais ça ressemble énormément à Red Dead 1. Ce qui fait plutôt plaisir à voir. Ton malin Bill.
look so bad? Oh, yeah. That fight was nothing. Aller chasser, bon allez, allons chasser. José, you want to go hunting? What are you hunting? An elephant? I wish. No, I saw a huge bear. Ah oui, un fusil sniper, ça va être énorme. I reckon nearly 1,000 pounds. My God. My God. You need me to come with you. Of course. Let's go. Where are we heading exactly? Up near the Dakota River. Might take a day or two. I could do with a break from this place. Oh, me too. It's been a rough couple of weeks. You need anything? I don't think so. I got all I need. Let's go then. So you still ain't replaced Boadicea? Nah, I miss her. She was quite a horse. This one's okay, but ain't no Boadicea. I've been meaning to offload this big Shire horse for a while now. Unruly bastard. Where'd you get him? Some big loudmouth bastard tried to rob me, was out riding, so I... Well, you know how it is. I see. Let's take him to Valentine. It's on the way, sort of. There's a decent dealer there. We'll unload him. You could buy yourself a new horse. Put your saddle on them. Let's get going. Okay. Alors, comment on fait? L2 pour centrer la vue sur votre cheval. Enlever la selle. Tenez-vous près de votre nouveau cheval. Mettre la selle. If I'm near him. Nasty little look in his eyes. Oh, don't be rude about this magnificent creature. Inventaire de votre cheval. Okay, see if you can get your leg over that. Brute. Easy, big fella. Il est énorme, ce cheval. No bar fights, please. I heard about that. I'll do my best. We're heading out. Might be gone a couple of days. They got a good range of horse tack at the Valentine Stables. Some beautiful saddles. I used to have a real nice one. Yeah, what happened to that? Got stolen outside that saloon in Deer Creek. Ah, I remember now. Just about. That turned into a long day. Yes. Remember? Mac went crazy, threatened to kill the whole town. And Davey was passed out so cold we left him there, came back in the next day, and he woke up, started right back drinking again. I'll miss those boys. Jenny, too. She had some spot, that girl. It must be pretty hard on Lenny. You could tell he was sweet on her. Well, Lenny and Jenny could never have worked. That's like Arthur and Martha, or Bill and Phil. Yeah, maybe you're right. Does feel a bit like our luck died with them, too. Nonsense. We'll be all right. Just need some money to get back on our feet. I hope so. You find a way to offload those Cornwall bonds yet? Not yet. Peut faire en trois temps. Need to be done right. I have a couple of leads I'm looking into. Don't let that big bastard get the better of you there, Arthur. He's all right. Oh my God. All right, boy. Stables are just up ahead. Go sell that big brute. Buy yourself a horse. Okay. I'm going off to the general store. Get a few things to lure that bear out with. Meet you back here in a bit. Hey, how can I help you? I'm in the market for a new horse. Something strong and fast. Well, you're in the right place. I got some beauties in at the moment. Yeah. And what about this one here?
Yeah, you looking to sell? I sure you. You got papers? No. No papers. Well, of course, that's going to affect what I can pay. But your luck's in. I got a fella who's been looking for a decent workhorse like this for a while. He'll pay a good price. Otherwise, I can always stable him here for you. Here, take a look. On peut même faire du shopping de chevaux, quoi. Alors, mettre en pension, vendre. Oh. Lorsque vous mettez votre cheval en pension, celui-ci est placé dans un box afin que vous puissiez accéder plus tard. Si vous le vendez, vous empêcherez le prix de vente. Bon, ils ont dit de le vendre, on va le vendre. Sauf que, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Achetez votre nouveau cheval. Je crois que de toute manière, j'aimerais bien acheter cela, mais j'ai pas assez de sous. Entrez le nom. Campouze, on va l'appeler Campouze. Oh, c'est un peu chiant ça. J'ai pas envie de passer 2 heures à acheter des selles et des trucs comme ça là pour mon cheval quoi. All right, partner. You got yourself a deal. And a fine new horse. I hope so. Well, I don't sell anything other than good animals. You have my word on that. Campouze le cheval. J'espère que tu feras bien ton boulot. Here are your papers. And on me, a new grooming brush. And some treats. Appreciate it. Yeah. All right, you. You treat this fellow well. I know he's gonna look after you just fine. Et l'eau, je l'ai mis dans un box ou pas là, j'arrête pas. How much did you pay for that thing? Not that much. Okay, well, with some good care, you should be able to make something of it. All right, let's get going. We got quite a ride ahead of us. Either way. J'aimais mieux l'autre hein, quand même. It's called O'Cray's Run, up in the mountains east of Cumberland Falls. I just hope I can remember how to get there. Back into the mountains? I sure didn't figure on that. But this time we're doing the chasing. J'ai plus de chapeau. Things with you and John. J'ai perdu en chemin, je sais pas où. Ain't it about time you let it go now? It was a year, Jose. He ditched us for a goddamn year. I've spoken to him many times. He knows he did wrong. He just wants to put it behind him. I'm sure he does. Running off on that kid is one thing, but there's code. He knows that. He ain't Trelawney. Dutch and you pretty much raised him. I know. But it's done. Has been for a while now. Nobody else would have been welcome back that easy after that long, and you know it. Maybe, but please don't you put that to the test. Où il est où l'ours? Je vais le sniper, moi, tu vas voir. Ça va être vite vu. Ok, I think we need to head right up here. Yes, I remember this place. Moonstone Pond. We're going the right way. Le noyau de votre cheval se vide progressivement pour les remplir. Vous devez le nourrir, maintenez L1 et appuyez sur R1 pour ouvrir la roue des objets du cheval. Lorsque vous le montez ou que vous êtes près de lui.
Cheval. Fortifiant, santé. Chapeau d'Arthur. Bah oui, bah j'ai un chapeau, c'est bon. Bon. Galette d'avoine. Allez. Donner des remèdes pour cheval, soins et brosses. Ouais, bon. Maybe we should catch one to cook. Sure. Try and shoot one. You don't want to use anything too powerful on a small animal like that. Just ruin the meat. Best thing's a bow or 22 caliber varmint rifle. I have hunted rabbits before, you know. Yes. And obliterated them with a shotgun, if I remember right. Chasser un lapin. Oh, attendez. Il y en a partout. We should camp here. Sure. Well, then you get us set up. Charroux des objets. C'est R pour sélectionner le campement. C'est votre campement. Les grands espaces, vous pouvez y fabriquer des objets, cuisiner et dormir. Et allons pour l'utiliser. C'est fou ça, j'y arrive pas. Relâcher L1 pour utiliser. Eh bah ben, dis donc. Ça a pas marché du premier coup. I'm finished. Cook that rabbit then. They're delicious on an open fire like this. Fine by me. Alors, viande de gibier, recette, schéma, montrer tout, effet, cuisiner. Voilà, c'est beaucoup trop compliqué. Gibier nature, cuisine. Et manger. No, I'm fine. I don't like eating this late. Okay. After all that. All right. Well, we better get some rest. I'm gonna be up at first light to find this monster. He better be worth all this drama. Morning, Arthur. You ready? Well, give me a minute. Coffee? Sure. There you go.
So, what's your plan? Well, we'll see if we can track him, but we might need to lay bait to draw him out. Bears like fish, obviously, but they also have a sweet tooth. A lot of fellas bait, then shoot from the trees, but I prefer to hunt on the ground. More dangerous, but we'll have a much better chance of getting a good shot in. And if he bolts, we can start right off after him. Can you mix up this bait for me while I finish packing this up? Fish, berries. I'll tie it up in that rag when you're done. I hope you know what you're talking about. I grew up in the mountains, Arthur. Un peu puissant. Fabriqué. I was virtually weaned on bear meat. Just mix it together. It's not too hard. I think I got this done. Good. Pack up and we'll get going. C'est compliqué parfois les commandes. Okay, let's go. Y a un truc là. J'arrive pas à savoir ce que c'est, on dirait une plante ou. Ou alors c'est mon cheval simplement, mais. Campouze il s'appelle. What? Non. Je me trompe tout le temps de. C'est qui ce mec? Mais. Il y a un problème avec les commandes. So far, so good. You know, I was in this area with Bessie. Years ago. Really? I didn't know that. I imagine you still miss her. Every day. Did you two ever think about getting out of the life? We did briefly. You don't remember? Guess you were still young. Didn't last long. I drifted back into it. She understood. She knew what I was. I remember you not being around for a while, but well, things were looser back then. Truth is, there's never really any getting out. And staying in, it's hard. You know that. But Bessie and I made it work. Why? You thinking about getting out? Me? No, of course not. Listen, if Dutch's grand plans work, and we can make enough money to go someplace new, really new, maybe we can all have a new start. Anyway, for now, let's try and chase ourselves a bear, shall we? Let's look by the water here, see if he's been fishing again recently. Look for tracks, dung, bones, any of him. Vous êtes entré sur le territoire d'un animal légendaire. Suivez les indices pour le localiser. Il y a des zones de pistage d'animaux légendaires un peu partout sur la carte. Stylé. Let's hope it's him. Can you tell which way? This way. Wait a minute. Something on the ground here. Half-eaten fish here. Must have been left by our friend, I reckon. Come on, see if there's anything at. It's
Something else on the ground, just here. There's shit here. Watch your step. Looks real fresh. Reckon he's got to be close. Let's keep going. On peut marcher dedans quand même, hein. Damn it. Looks like the trail ends here. We lost him? For now. A little optimism, Arthur. Well, what do you think? I think we split up in each look. Either that or we could place bait here. That could work. Which do you think? Utilisons l'appât. Let's bait here. Fine by me. Let's leave the bag over there. By those boulders up ahead, looks like a good spot for it. J'ai l'impression qu'il y a peu de cohérence dans les contrôles, là, c'est vraiment bizarre. A thousand pounds, you say? More or less. Big scar down his face. Hey, did that bait look okay to you? I think so. You're the expert. Ready with your gun there? I'm good. You okay? You seem nervous. So do you. I'm fine. Let's just take a look at that bait. Sure. Come on. You only just said it, Jose. I know, but we need to do this right. Ça sent l'arnaque, ça. We had you. Got your knife? Shit. Ah, je t'avais dit. Easy. No, it's too close. You're fine, old man. Of course I'm fine. It's nothing. Nothing at all. Thank you. I think. That was fun. You know what, Arthur Morgan? I'm a little old and beaten up to be after the biggest game. You can have this. What is it? It's a map. A man in a bar gave it to me. Well, I stole it from him, but that's another story. He said it told him where to find some real big animals. Thank you. It's a pleasure. You saved my life, Arthur. I think I'm going back to camp to get my wounds. You coming or you gonna track that monster? Well, you coming or not? I'm gonna stick around here for a while. I'll see you back at camp. Yeah. Les nouveaux chevaux sont disponibles, blablabla. Mission terminée, blablabla. Okay, then. Ain't close. Il marche bien dedans, là. Close.
Il est là. Hey there. Ok. Je me fais violenter un petit peu là. Ah oui. Oh la vache. Il fait flipper cet ours. Combien il a de vie? Elle est où la carte? Alors... carte des animaux légendaires. Un cougar en visant ours. Ours, c'est le huitième. Il est par là. Très bien, mais... dynamite, ah oui, carrément. Eh ben, va pour un petit fusil quand même, parce que bon... l'ours, il est un peu méchant. Et puis il faudrait qu'on arrive à le repister. Comment on fait ça? Ok, d'accord, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Des fois, ça tire sans raison. Il y a un témoin. Vous êtes recherché, super. Ok, d'accord. Eh ben, on se fait défoncer assez vite dans ce jeu quand même, globalement. Hein.
Moi, tout ce que je voulais, c'était pister l'ours, tranquille. On est au milieu de nulle part et il y a des flics. C'est improbable. Bon, bref. Range-moi ton fusil. Merci. Le niveau de votre jauge de sang-froid est trop bas pour... et consommer un fortifiant de sang-froid. Il n'y a pas à se recharger tout seul le sang-froid ? Retourner essayer de pister l'ours au niveau du lac. Excellent. Excellent. Ça fait bouger les cailloux et tout qui tombent à fond de falaise. C'est, enfin, c'est pas une falaise, mais c'est excellent. Wow, wow, wow. Je sais pas du tout où aller pour prendre un petit raccourci là. Vous avez pénétré le territoire de l'animal légendaire, mais il faudra du temps avant qu'il revienne dans le secteur. Bah... C'est là qu'il m'a buté tout à l'heure. J'ai bien l'impression. Ok, des canards, on s'en fout. Est-ce qu'on peut aller nager un petit peu là? Ah oui. Il y a un poisson là. J'imagine qu'il fait froid. Est-ce que ce serait pas un indice, ça ?
ou simplement des plantes. Tant d'énergie, mangez-en. Allez, ben on va la manger. Peut-être que si je campe ici, l'ours devrait revenir. On va essayer de faire ça. Pas établir le campement, je suis en train de fouiller un cadavre ou dépecer un animal. Bah oui, j'ai pas du tout fait ça. On va dormir un petit peu. Matin, allez. Avec un peu de chance, l'ours sera revenu. Ça doit pas être si facile de le buter. Peut-être que si je lui envoie des flèches, ça peut aider. En restant suffisamment discret. Démonter le campement. Attendez, mais j'étais près du lac. Il vient de se passer quoi là? Le lac a disparu pendant... Ou mais il y a une bande rivale là en plus. Ok, alors attention. Il est où le lac? Qu'est-ce qui vient de se passer là? J'ai clairement posé mon truc près du lac. Il y a des chasseurs de primes qui viennent pour moi là. Ce serait pas là l'animal légendaire. Alors là honnêtement j'ai rien compris à ce qui vient de se passer là. J'ai mis un campement quelque part par là. Et ça me l'a déplacé. Oh, absolument pas. Il y a des chasseurs de primes qui viennent pour moi, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un bandana. Puis on va les défoncer. Les autorités ne vous traquent plus, mais vos crimes ne sont pas oubliés pour autant. Si un représentant de la loi vous repère dans une zone marquée en rouge, vous serez recherché à nouveau. Bon. Moi, je voulais juste chasser l'ours tranquille. On met votre tête à prix, évitez les représentants de la loi. Ou payer votre crime dans les bureaux de poste. Bah écoute. Moi j'ai rien demandé. Hein. Oh, mais y'a un mec là. Est-ce qu'il vient pour moi lui? Se souviennent de vos précédents crimes commis dans cet état.
Je veux juste chasser l'ours, hein. J'ai du mal avec les commandes et du coup je tire sans faire exprès et voilà ce qui se passe. Aide-moi mec, je vais encore me faire buter par l'ours. Il est mort. J'ai failli mourir aussi. Oh, le stress de ouf, c'est un truc de ouf ça. Wow. C'était pas l'ours légendaire ça. Wow. T'es stressé cet ours là. Je pense pas que ça soit l'ours légendaire. Disons que ça avait pas l'air d'être là, hein. Moonstone Pond, à mon avis, c'était là le repère de l'ours là. Tant pis, je vais retourner au campement. Et continuer un peu les missions solo. L'autre il s'est tiré, il m'a même pas aidé quoi. Sympa. What?
Il est sérieux, lui? Réanimateur pour votre cheval? Non. Non. Qu'est-ce qui vient de se passer? Mais mon cheval! Mais attends, mon cheval! Oh, c'est incompréhensible ça, j'aimerais bien. Mais je suis trop loin de tout là! Attends, mais je suis en train de perdre en plus du. Mais what? Je suis perdu au milieu de nulle part, comment je vais faire? Super. Juste parce que je suis passé là-dessus là, mais c'est quoi ce bug? C'est un peu mal foutu ça. Je vais faire comment moi maintenant? Pas de cheval ici. C'est un peu trop réaliste ça là. Comment on affiche Je ne sais plus comment on affiche. Bon, bah, ça va pas être pratique ça. En plus, il sait pas marcher lui. J'aurais dû faire juste les missions solo. Je vole un cheval. J'ai pas le choix. Putain, je suis deg. Sérieux. Mais non, elle est pas égarée, ma selle. Oh, le prochain que je le vois, je le dégomme direct. Hein. J'ai besoin d'un cheval, là.
your mouth. Stay here, you just had to get nosy, didn't you? Help me out of here. Oh, thank the Lord you showed up when you did. Oh, the things he said he'd do to me. It's all right, ma'am. It's over now. Thank you. Again. Eh ben, de rien. Moi, ce que je voulais, c'était le cheval, surtout. Par contre, non, je suis pas d'accord. Putain, j'hallucine, elle va le prendre, elle va se barrer avec. Ah, mais c'est pas possible, j'ai pas de chance là. Allez, n'importe qui, j'ai besoin d'un cheval là. Évidemment, maintenant il n'y a plus personne qui passe. Ah, problème de manette. Je vérifie parce que des fois, quand ça fait ça, ça me déconnecte le. C'est que. C'est pratique ça parce que du coup, on voit plus du tout le menu. Allez, pousse-toi. Ouais. Ça désactive tout le temps le chat là, c'est bizarre. Bon, besoin d'un cheval. Quand tu fais pas exprès, il y a plein de gens qui passent et quand tu veux absolument quelqu'un, tu trouves personne. Ah bah voilà. Bon bah désolé toi, mais j'ai pas le choix. Hein. Je vole ton cheval, j'ai pas le choix. D'accord, son cheval il est parti, je trouve pas de cheval. C'est génial, j'adore. Bon, attendez, on peut peut-être le pister. Est-ce que c'est lui ça? What? Comment il a fait?
Putain, je les ai pas eus, c'est abusé. Tire-toi. Moi, je veux juste un cheval pour me barrer, c'est pas possible, quoi. Mais reste là, toi! Pourquoi il se barre son cheval comme ça, là? Encore me faire tuer, super! Mais reste là, cheval de merde! Oh, c'est un truc de fou! Enfin! Allez, d'abord on se tire un peu, histoire de plus être dans la zone recherchée. Ensuite, on contourne. On va récupérer la selle et la peau de l'ours. Ouh, c'est risqué ce que je suis en train de faire là. Ils m'ont repéré. On se cache un petit moment. Voilà, ici on est bien caché. On va attendre un peu de plus être recherché, puis on ira chercher tout ce qu'il faut. Putain, c'est oufissime quoi. Beaucoup trop réaliste dans ce sens-là, parce que il suffit juste que tu fasses un peu n'importe quoi. À un moment, tu te retrouves sans cheval en plein milieu de la pampa, là, c'est affreux, quoi. Et après, j'irai payer mes dettes. Parce que 82$, je les ai même pas, en plus, c'est ça le pire. Ouais, alors attention, parce que tout à l'heure, mon cheval il s'est tué tout seul comme un débile. J'ai pas compris ce qui s'est passé, donc là, je veux plus que ça recommence. Et oh, 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 oh. Il est hors de question de refaire ça, là. Pour calmer le cheval comme ça. Pépite d'or, ah oui quand même. Je crois qu'il n'y a plus la peau de l'ours.
is strapped on, boy. La peau de l'ours a disparu, je suis dégoûté. Vous savez quoi, on va retourner au camp, je vais sauvegarder. Et on va faire des petites missions solo. Autre que ça, parce que c'est compliqué là. Et que chasser le grizzly... C'est un peu tôt peut-être. Où est-ce qu'on récupère le chapeau là? Ça doit être sur le cheval. Moi je voulais pas en arriver là, ça a escaladé quickly là comme on dit sur l'internet. Okay, boy. Yeah. Voilà, alors là des chevaux il y en a 25 000 quoi. Super. C'est rouge là, on se demande. Est-ce qu'il y a un prédateur? Je ne sais pas. Et à mon avis, ce sera pas le lapin. Chouette ici. Hein. Bonjour les gens. On n'est pas passé là à l'aller, c'est ça que je comprends pas. Même pas où je vais en vrai là. C'est super loin, c'est un truc de fou. La légende. Alors, je sais pas. Je pense que ça fait très longtemps que je suis parti du campement là, du coup ils vont pas être très contents. Quasiment sûr que ça va pas bien se passer. C'est super beau et ça a l'air mais tellement tellement vaste. Seulement
C'est mou, quoi. Un peu le souci que j'ai, c'est que c'est super mou parce que tu passes ton temps à prendre ton cheval et à faire des... Challenge a real American gunslinger. You him? $5. Mais il va me défoncer. Me? A real gunslinger? Let's find out. Okay, man. That's what I like to hear. Look, man, rules are simple, okay? Whoever shoots more of these bottles wins. The range needs to be clear before we begin, amigo. Allez, viens là. Come on, man, let's get shooting. Just draw your gun and aim when you're ready. All right? Shoot! Oh, je sais même pas comment j'ai fait, ouais, j'avoue. Better shot, I suppose. That didn't make me happy at all. How about we raise the stakes, huh? All right, let's do it. Aha, that's a good call, amigo. Okay, whoever shoots four birds out of the sky first wins. Simple enough. Stand near me. And as soon as they come out, it's anyone's shot. Be patient. Ah, there they go. Shoot! Mais shoot! Mais shoot, tricheur! Mais what? Ça veut pas dégainer? It was a good try, but maybe next time. Ouais, d'accord, super, vive l'arnaque, quoi. Listen. You need to pay me for your loss, okay? Putain, mon gars, je te jure que ça me fait pas plaisir. Here. Lucky for you, I'm having a bad day. Maybe we'll do this again, huh? Hasta la próxima, amigo. T'es un gros escroc, toi, mon gars. J'aurais dû dire non. J'arrivais pas à dégainer mon arme. Ça pue l'arnaque, ça. Okay, boy. All right, boy. Oh, Sarnak. Yeah. It'll shut you up. Yep. I'll try. But fathering ain't nothing I know about. Here's a hint. Act like you ain't a selfish, bloodthirsty moron. You mean lie. Mr. Morgan. Shut up. Yes, Miss Grimshaw. Mr. Matthews gave me a message for you. He said when it was convenient to head into Emerald Ranch. He's looking at a few business things there. Okay. Oh,
He'll find something, too. He always does. Will you be well now, Mr. Morgan? I'm always well, Miss Grimshaw. Là, j'ai oublié de brancher mon Mac. Même bêtise que l'autre fois. Et oui, si je veux pas que le stream s'arrête, j'ai intérêt à me dépêcher de le rebrancher, là. Il est en train de se plaindre qu'il n'y a pas assez de batterie. Voilà, ça devrait aller mieux. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de ralentissement ou d'encodage dégueulasse. C'est possible que si. Mais bon, désolé. J'avais pas vu. We gotta get some food soon, Arthur. Food or money. Or these bastards will eat up. Ben, je vais aller mettre un peu d'argent, je viens d'en perdre plein, de toute façon on n'est plus à ça près. Donner, je sais pas, $10. Il y a quoi par là? C'est difficile à savoir ce que ça représente quand même. Peut-être que c'est pas le moment, simplement. Non, on regarde-le pas comme ça. Speak! Don't cry, boy, speak about your gang! I can't. Boy. Whoa, hold your horses there. It seems the cat has got our friend here's tongue. I was thinking Mr. Williamson could have a word. You ready to talk, boy? I told you, mister. I told all of you. I don't know nothing, okay? They ain't no friends of mine. I just been ridden with them for a while. Horseshit. You see, we heard that part, so how about you tell the truth? That's what you want me to do. Hurt him, so the next time he opens his mouth, it is to tell us what is going on. Who am I kidding? One of O'Driscoll's boys couldn't open his mouth, but he'd tell a lie. Screw it. Let's just have some fun. Geld him. Oh, yeah. What's he doing? Where's he going? Oh, don't worry. You're only balls, boy. Just gonna cause you trouble. You know, in Imperial Rome, eunuchs was among the happiest and most loyal of courtiers. Oh, you kidding me, right? Of course. You sick bastards! Oh, what do you want from me? Well, you are gonna talk. The only question is now or after we got these little fellas off. Okay, okay, listen. I know where O'Driscoll was holed up. And you're right. He don't like you any more than you like him. He's at Six Point Cabin. I'll take you there. Serious, I don't like him. I mean, I like him even less than I like you, no offense. Oh, none taken. Okay then, partner. Why don't you take a few of us up there right now? I got this, Dutch. Should be fun. All right, you. Come on. Let's go. Gild him. Let's both hope you ain't trying to trick us, O'Driscoll. I ain't no O'Driscoll. Are you sure as shit was? John, Phil, come here. We got a social call needs making. Where are we heading? We're up into the hills behind Valentine. I'll show them. John, you take this little rattlesnake with you. Any nonsense, kill him. Sure. You're gonna pay your buddies our respects. You taking us to Cole? That's what he says. Come on. I'm taking you to him. Look, I'll give you more directions when we're close. But if I know where we are, it's up past Valentine. All right. I'll leave. Well, come on then. Sharing saddle with an O'Driscoll. Who'd have thought? How many times I gotta say?
I ain't an O'Driscoll. You sure look like one, and you smell like... God damn. You smell like one, too. I smell like horse shit. That's right. Boy, are you high. Morgan! You got throwing knives in your saddlebag. Dud said that you might... I was asked to give them, and I'm doing you the further courtesy of telling you about it. Next time you want to give me something, how about you give it to me instead of hiding it somewhere, hoping the opportunity comes up to mention it? Last goddamn favor I do you. Hey, if I got my bearings, it's over here. Whoa, God damn. Yeah, I know this country. Take this track up through the rocks. How you holding up, John? Fine. Still ain't right, but I'm fine. You damn well should be after all that bed rest. Hey, all right. Abigail wouldn't let me up. You know her. She won't be reasoned with. Well, when you was having a failure of reason, hiding behind your woman, way you were getting shot at. And I'd do the same for you, if you was in a bad way. I hope so. But I fear you don't know how to help anyone. Except in yourself. You see, O'Driscoll? If this is how he treats his friends, imagine what he does to his enemies. I got an inkling of what you all do to your enemies when you put those gelding tongs to my parts. Bill, you still got those tongs? I got a knife. Won't be so clean, but it'll do the job. Keep that in your mind, young feller. Right at the forefront of it. Watch it. Now we go left. Road will take us up and round. J'ai l'impression qu'il faut que je brosse mon cheval, mais j'en sais rien en fait, parce que c'est pas clair. Je trouve que l'icône n'est pas spécialement très parlante, on dirait un panier de provisions ou une brosse, je sais pas. Et elle apparaît pas tout le temps, donc on sait pas trop ce qu'il faut faire avec. C'est peut-être le seul reproche que j'ai à faire, enfin, à part le fait que effectivement ça soit un peu mou au début, mais... Seul reproche, ce serait que les contrôles sont pas forcément très intuitifs par moment. O'Driscoll. You're out to survive. We're out to live. Free. Colm's a sneak thief and a killer. Dutch is more like a teacher. From where I've been, you just look the same as all. Then you looked, but you ain't seen. John, shut that boy up. Enough out of you. Boys, we're almost on them. Now, who knows if this son of a bitch we got with us is talking true, but if it's what he says it is, and Colm O'Driscoll's here, we can end years of fighting. Here and now. Amen to that. Here, here. I swear, this is where he was. Shut up. Okay, now cut left up here. We go down the hill into the forest. We're going in quiet, taking them out as we find them, trying not to set things off. But if we do, we move quick and hard. Settle this like we know how, okay? Okay by me. With you, Morgan. All right, then. Through the trees here. C'est là où on va devoir utiliser les couteaux de lancer, j'imagine. Hey, we're real close. I'd leave your horses the other side of this clearing. I'll get my guns off my horse, and I'm ready. Easy, Bill. Quiet. Si vous êtes près de votre cheval ou si vous êtes dessus, maintenez L1 pour parcourir les armes qu'il transporte. C'est la discrétion de mise préférée, les armes silencieuses comme l'arc ou les couteaux.
Donc, l'arc, on a déjà. J'ai vraiment du mal avec cette interface par moment. Ça sert à rien, les couteaux, ils vont sûrement être là. Couteau de chasse. Taux de lancer. This is it. The cabin's just the other side of this hill. Okay. Off your horses. Let's go. You gonna get them knives? I said easy. Follow me, all right? Stylé l'animation. We might have shared a horse, but we ain't friends. Remember, I'm watching you every moment. I ain't gonna shop you now. Come on, it'd be suicide. You'll die, boy. But you'll lose your balls first. Jesus Christ. Come on. Okay, get down. Cabin's in the clearing down there. There'll be a bunch of fellers. John Marston, ladies and gentlemen. These fellas armed? Armed? Drunk? Wary of strangers, yep. And Colm O'Driscoll? Oh, he'll be holed up in his cabin. Be passed out, booze blind, likely as not. And over there, someone's coming. So, who's gonna tell him we ain't got nothing for the pot? Oh, let me think. The fella that spooked the game, I reckon. I'm gonna dread it. I'll catch up. No, we ain't gonna fall for that. We're gonna wait so you can tell him yourself. Yeah. If anyone's actually gonna shoot the messenger, it'd be that mean son of a bitch. Yes, sir. Come on, shake it off. Come on. What are we doing about the pisser, Morgan? One by the tree. Viser, s'en occuper, envoyer Bill. Oh, j'en sais rien, moi. Don't move. You want me to take him? Ouais, allez, vas-y, Bill. Okay. I got him. You know what's really quiet? A knife. Now stay here. Don't you damn move. Bon bah ça m'a l'air d'être trop tard. Aïe. Aïe. Mais ça où? Aïe, mais bouge! Pourquoi il reste là en plein milieu et il se passe rien là? Pourquoi il vient là, mon cheval? Good.
Je vois absolument pas où sont les ennemis, c'est horrible. On a vraiment raté l'attaque à l'arc. Hein. Mais c'est vraiment pas facile, franchement, je trouve que c'est assez chiant. D'accord, oh, putain, mais le rechargement des armes, c'est une catastrophe. Ça met une demi-heure, pire qu'une balle à la fois. On voit même pas où ils sont les mecs. Ok, il y en a un là-bas. Wow, la vache. Mais pourquoi ça fait pas le sang-froid? Il y a des trucs que je comprends pas. Et pourquoi mon cheval il me suit ce gros débile là? Laisse-moi tranquille au bout d'un moment. Mais tire! Non, 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 vas-y, pars-toi de là très très vite. Ah, mais je me fais tirer dessus par qui? Vache, c'est horrible. Regarde, ça veut pas viser. Dégage toi. C'est pas facile hein. Attends, je vais me récupérer un peu de munitions, tout ça, parce que là ça va pas du tout. Alors il y a un côté très réaliste hein, qui est pas mal hein, parce que c'est vraiment très fouillé hein, pour un jeu vidéo, c'est vraiment excellent, mais c'est pas facile. Hein. Je trouve qu'au début à prendre en main c'est assez atroce. C'est peut-être parce que j'ai l'habitude des trucs un peu arcade, multijoueur comme Fortnite ou Call of, mais c'est pas simple du tout. Attends, il y avait quoi? Prendre Cattleman usé. Non, merci. Il y a bien des trucs à voler là dans ce campement. Si on peut donner des coups de crosse. Petit malin. You all right? Sure. Thank you. Come on, Driscoll. He ain't here. Set us up. Come here! What? You set us up. No, I didn't. You did. Como Driscoll ain't here. He was here, I swear. If I was setting you up, I wouldn't have saved your life. It's a good point, Arthur. All right, then, go on. Get out of here. Hey? I won't kill you. No, I didn't set you up. You lost. Shit, lost. I'm letting you run away. Now, go on. Get out of here. That's as good as killing me. Out there, without you,
Como Driscoll's gonna lose his mind about this. So? So I'm one of you now. Give me a break. All right, then. But I'm warning you. Oh, hey, I know. Come on, let's get to camp. So you got the cash, then? What cash? Yeah, it's usually some cash. In the chimney. I'll check it. Rest of you boys, get to camp, quick. See, Arthur? I ain't so bad. Hey, Bill. You tell Dutch old Kieran ain't worth killing. Just yet. Right you are. Fusil à pompe, balle. Ah oui. Ah là là, et des fois c'est vraiment pas facile. Hein. Sortiment de biscuits, vas-y, prends-le. Une arme là, est-ce qu'elle est en dessous, en dessus, je sais pas, mais il y a une arme à aller chercher là. Fusil à double canon. Échanger contre carabine à répétition, c'est un peu emmerdant. Cette arme est sale. À force d'être utilisée, les armes deviennent sales. Pour les nettoyer, sélectionnez dans la roue des armes, puis appuyez sur R3. Super. Il y a la cheminée. At least you got something tucked away. Que ça m'arrange pas parce que j'ai laissé ma carabine quand même. Mais j'imagine que c'est un peu mieux. Je vais pouvoir payer ma caution après. En fait, il y a une technique que je peux faire certainement, c'est de la reposer sur le cheval. Je sais pas comment on fait, mais... normal. Ouais. Je comprends pas tout. Hein. Voilà, et on va chercher la carabine. Comment ça, crime signalé, j'ai rien fait. Ma carabine, elle est où?
C'est de l'arnaque. Voilà, je vais retourner au campement là. Sauvegarder et m'arrêter ici certainement pour Red Dead pour aujourd'hui. Ou en tout cas pour ce matin, parce que là ça fait beaucoup. Attendez, on va essayer de voir si on peut brosser le cheval parce que là ça commence à m'énerver. Cette icône que je comprends pas ce que c'est là. Brosser. Ah non, il y a toujours cette... Est-ce qu'il a faim ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je comprends pas. Pensez votre cheval. Je comprends pas ce qu'il faut faire par moment, c'est assez pénible. Les dindons. Je l'ai écrasé, super. C'est bizarre des fois. Tu me diras si je l'ai écrasé là, je peux en profiter pour le ramener. Comme nourriture, t'imagines ? Just calm down.
Alors, tu la prends la dinde sauvage là? Travels around these parts, Canadian go on. He can make just about anything. You should drop in on him sometime. Yeah, I know. Thanks, Pearson. Oh, hell. Good evening, Arthur. Half acre. Oh, here. Good night. Oh, my balls. Might that be enough? Je sais pas où poser la viande. C'est chiant. Ça doit être là, normalement. Some more meat, Mr. Morgan. I know supplies are low. Many thanks, Mr. Morgan. Alors, allons à notre campement pour sauvegarder un petit coup. Arthur. Ouais, non, pas maintenant, Dutch. Oh, Arthur, it is good to see you. You okay, Maybeth? Just great, but I nearly got killed back in town. They caught me robbing from a store and I ran for my life. You weren't followed here. Arthur Morgan, of course not. Who do you think you're speaking to? Good girl. Okay, well, let's talk more later. Sure thing. On va dormir un petit coup, sauvegarder et puis arrêter pour aujourd'hui. Il y a quasiment 3 heures. Et c'est un jeu très très long. On peut pas se dire on va le faire en un coup parce que ça a pas marché ça. Et il me semble que si on va dans progression, on doit pouvoir sauvegarder. Ou bien dans, je sais pas où c'est, joueur. Histoire, sauvegarder. Très bien, super. Bon bah voilà, bah c'était cool. Bon après, pour cette deuxième impression, il y a quand même des choses qui me paraissent assez étranges et auxquelles il faut vraiment faire super attention parce que si on perd son cheval en cours de route, bah, on est bien embêté. On est même carrément bien embêté parce que du coup, en plein milieu du... En plein milieu de la pampa, quand t'as pas de cheval et que tu dois en récupérer un, bah t'es obligé de faire des crimes, etc. Donc c'est pas ce que je voulais, à un moment donné, j'ai pas eu le choix. Et c'était pas fou particulièrement, quoi. Et ça, par exemple, si c'est pareil, c'est pas facile de savoir se diriger pour être bien, là. Et le grizzly, bah du coup, ça donne envie de retourner le chasser, mais bon, on verra plus tard. On va aller voir où ? Allez, et ben je pense que ce sera ça pour demain, deuxième session demain matin.
Et pareil, tous les matins, pendant ce long week-end de 4 jours. Allez, ciao, à la prochaine.